Chers amis, bienvenue à notre huitième rencontre en quête d'un renouveau spirituel. Cela fait maintenant plus d'une semaine que nous étudions les thèmes de la prière et du Saint-Esprit, deux sujets clés dans la vie du chrétien. Nous espérons qu'à l'occasion de ces 10 jours de prière 2021, vous vivez de grandes choses avec Dieu. Et si c'est le cas, nous serions heureux que vous nous les racontiez. Vous pouvez laisser un commentaire en dessous de cette vidéo. Et votre témoignage pourra encourager d'autres internautes à persévérer sur ce chemin ou même à l'entamer maintenant. N'oubliez pas que nous avons une équipe de prière qui s'est organisée pour prier pour vos demandes d'intercession. N'hésitez pas à nous les soumettre avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Nous présentons volontiers vos requêtes à Dieu pendant ces 10 jours de prière. De nombreux miracles sont relatés dans la Bible. Mais c'est celui que Dieu a accompli en vous et pour vous que nous voulons connaître aujourd'hui. Il est bon de sentir toute la puissance de Dieu encore agir de nos jours. Les miracles ont ce goût de divin qui redonne espoir et confiance à tous ceux qui les voient ou les entendent. Nous voulons tous vivre des miracles dans nos vies, mais tous n'ont pas le sentiment d'avoir cette chance. Alors, y a-t-il un prérequis pour que Dieu opère un miracle? Existe-t-il un mode d'emploi à suivre? Puis-je favoriser un miracle ou Dieu seul est décisionnaire de cela? C'est ce à quoi répondra le pasteur Rickson Nobre dans son message du jour. Juste après ce temps de louange et témoignage qui commence maintenant. Viens, tel que tu es devant toi.
So it all started a couple years ago. Me and some of my girlfriends decided that we would get together and pray. And we got together about 6:30 in the morning, and we would pray specifically for our families. And we'd come together, and we didn't know exactly what would happen, if anything would even come out of it. But we had a burden on our hearts for our parents and our relatives. And I have Indian family and Filipino family. And on the Filipino side of my family, my uncle is the town drunk. And everyone knows that there. At all the events or parties and New Year's, Christmas, all these things, he's always off in some corner drinking or smoking. Or, you know, one time he was found swimming in the pool while everyone was celebrating a birthday party. Just found out a couple months ago that he was invited to go to church by his daughter, who had been praying for him as well. He decided to go out of nowhere. It was a miracle. And now he's not the town drunk. He is sober, he goes to church, and everyone is so surprised. And it makes them wonder, how in the world, what happened to him? They look at him and they're realizing, wow, you know, if God can do something like that for him, he can do it for anyone. That's something that I realized myself as I saw this, and I actually saw an answer to prayer for something that I had been praying for years. I realized God can do anything if he could answer the prayer for my family. My name is Ranella, and my prayer is answered. Bienvenue dans les studios d'Espoir Média en Suisse. Je suis ravi de vous accueillir pour cette 8e rencontre dans ce parcours de 10 jours de prière. Je voudrais vous rappeler que ces méditations que nous partageons chaque jour sont inspirées du matériel qui a été préparé par la conférence générale. Je voudrais aussi vous rappeler que si vous préférez lire ces messages, elles sont disponibles sur adventistmagazine.com. Si vous préférez écouter les podcasts ou bien regarder les vidéos, elles sont disponibles sur adventplay.tv. Ce soir, je voudrais commencer par cette question. Quelles sont les étapes dans le processus de croissance dans la foi? Comment raffermir notre confiance et faire grandir notre foi en Dieu? Comment être obéissant à Jésus et non seulement à Jésus? Vous avez compris? Comment être obéissant en Jésus et non seulement à Jésus? Pour cela, je voudrais vous proposer de voyager dans le temps avec moi et de vous installer confortablement en tant que spectateur dans cette cérémonie de noces où Jésus a réalisé son premier miracle. Observez comment les choses se sont passées, comme relaté dans Jean chapitre 2. Marie, la mère de Jésus, a dit au serviteur, « Tout ce qui vous dira, faites-le. » En disant cela, Marie a renforcé la confiance des serviteurs en Jésus. Quand il leur a demandé de remplir les jars d'eau, ils ont fait exactement ce qu'il a été demandé. Puis Jésus a dit, « Puisez maintenant et apportez-en au maître de la cérémonie. » Une fois de plus, ils ont suivi les instructions de Jésus, mais ça semblait un peu étrange quand même. Après quelques instants, ils ont vite compris qu'ils venaient d'assister à un miracle. Maintenant, repassons les différentes étapes de cette histoire. 1. Par les instructions de Marie, elle a renforcé la confiance de ses serviteurs en Jésus. Il faut faire ce qu'il dit. Deuxièmement, les serviteurs ont fait preuve de soumission en faisant exactement ce que Jésus leur a demandé. En d'autres termes,
ils ont mis en œuvre le nécessaire pour permettre le miracle de Jésus plus tard. Et pour finir, c'est Jésus, lui seul, qui a accompli le miracle. C'est vrai que les disciples ont transporté l'eau, et cette eau, elle s'est transformée en vin. Mais les serviteurs n'ont rien fait pour opérer cette transformation. C'est ainsi que fonctionne l'obéissance de la foi. Nous choisissons de faire confiance à Jésus, de mettre notre volonté totalement à sa disposition et ensuite de faire par la foi des pas dans l'obéissance. Mais c'est Jésus et Jésus seul qui accomplit les miracles dans votre vie et dans ma vie. Alors comment arriver à faire cette confiance totale à Dieu? Paul nous propose dans Romains 16, 25 à 27 des pistes. Il dit que il faut connaître ce mystère est Jésus, pour que tous les peuples croient en lui et lui obéissent. Donc remarquez bien ces deux mots, obéissance et croyance, c'est-à-dire la foi. Ces deux mots sont inséparables dans notre expérience chrétienne. Mais c'est le dernier, la foi, qui a fait le miracle de la confiance en nous. Et quel est le résultat lorsque l'obéissance de la foi est obtenue en Christ? Une nouvelle vie. Paul dit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes ont disparu. Voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Nous avons donc une vie nouvelle grâce au Christ qui vit et agit en nous. Lorsque nous vivons, Christ en nous, notre attitude à l'égard de ses commandements change. On peut enfin dire, ses commandements ne sont pas pénibles. Jésus a dit lui-même que « mon joug est facile ». Et le psaume 119 dit des choses qui sont très intéressantes par rapport à cette obéissance par l'amour. C'est écrit ceci. « J'ai du plaisir dans tes commandements, que j'aime, car ils sont meilleurs pour moi que des milliers d'objets d'or et d'argent, et plus doux que le miel à ma bouche. Une grande paix est donnée à ceux qui aiment ta loi. L'obéissance de la foi est une chose agréable, car Dieu, dans son amour, ne nous a donné que le meilleur. » Et si l'obéissance est très importante, ce n'est jamais par elle qu'on obtient le salut. De plus, cette obéissance ne se produit non plus jamais par notre propre volonté. Ellen White, elle rappelle ceci. « Celui qui essaye d'atteindre le ciel par ses propres œuvres en respectant la loi tente une impossibilité. L'homme ne peut pas être sauvé sans obéissance, mais ses œuvres ne doivent pas dépendre de lui-même. » Le Christ doit travailler en lui pour faire sa volonté. Cette réflexion nous amène à relever trois points qui méritent notre attention. Premier, il m'est impossible d'atteindre le ciel par mes propres efforts. Vous saviez ça déjà. Mais deuxième, l'obéissance dépend totalement de ma relation avec Dieu, puisque les disciples que nous sommes sont appelés à vivre de manière conforme à sa volonté. Et pour finir, l'obéissance que Dieu invite à vivre n'est pas le résultat de notre effort personnel, mais c'est un miracle que le Christ opère en nous. Alors donc, si tu es centré sur le Christ, quel est notre rôle? C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes et montrent la profondeur du mystère du salut. Nous ne pouvons rien faire pour nous sauver, mais il y a une petite nuance intéressante qui est apportée justement par Ellen White qui dit: le Seigneur a prévu que la puissance divine coopère avec l'effort humain. Intéressant, hein? Qu'est-ce que cela signifie? Cela veut dire que si nous avions confiance, nous choisirons de développer notre relation avec Jésus qui opère en nous le vouloir et le faire. Et en conséquence, cette confiance qui apparaît de cette relation fait naître en nous une attitude de soumission et nous montre que nous devons ce que nous devons faire. Si nous décidons donc de le faire selon ce sentiment que Dieu a mis dans notre cœur, nous allons faire allègrement la volonté de Dieu. Voilà le processus de l'obéissance par l'amour. L'obéissance en Jésus et non seulement à Jésus. Un rappel important avant de finir. Comme Jésus respecte totalement notre individualité, notre volonté, il ne va pas intervenir dans notre décision. Il attend, tout simplement. Mais rappelez-vous, et comprenez-moi bien, c'est que
même notre contribution dans ce processus, le fait de faire confiance, notre décision, notre préparation à la décision, tout ça se fait grâce à la force que vient de Dieu, par le Saint-Esprit. Donc, pour finir, l'obéissance est en fait une joie. Et nous obéissons parce que nous sommes dans la joie et dans l'amour. Pour illustrer ça, je voudrais partager avec vous un témoignage que j'ai entendu des parents il n'y a pas très longtemps, qui racontaient tout l'amour qu'ils ont mis dans leur projet de famille. Ils attendaient depuis longtemps un enfant et finalement un petit garçon est venu au monde. Quand on voit les cassettes qu'ils ont enregistrées avec tout ce que faisait l'enfant quand il était petit, on voit chez ses parents cet amour, ce regard bienveillant. Cet enfant a grandi, mais malheureusement, à cause des mauvaises décisions, mauvaises fréquentations, un ensemble de choses, cet enfant est devenu très rebelle, avec même une pointe de violence à la maison. Il y a même une fois qu'il était tellement violent que la police a dû venir parce qu'il avait frappé son père. Mais à chaque fois qu'il faisait ses bêtises, ses parents étaient derrière lui pour le sauver, le ramener à la maison. Plus tard, il est rentré dans une espèce de bande, de gang. Ils ont fait de petits vols et puis plus tard même des braquages. Finalement, il a passé quelques années en prison. Et quand il est sorti, les choses n'ont pas changé. Il est devenu consommateur de drogue. Et à chaque fois, ses parents sont allés le ramasser à la petite cuillère un peu partout. Et ça c'était une source de souffrance dans cette famille. Cette maman, entre-temps, avec son papa, sont devenus croyants. Et ils ont prié Dieu pour qu'il puisse changer ce garçon. Mais rien ne se passait. Jusqu'au jour où Dieu a touché le cœur de cette maman. Et elle a compris quelque chose de fondamental. Elle a compris qu'il fallait laisser Dieu faire. Il fallait laisser Jésus travailler avec son fils. Et arrêter de le sauver. Elle a même décidé avec son mari de faire quelque chose d'incroyable. Ils ont décidé de partir en vacances, de tout lâcher. Et ils sont partis très loin. Ils sont allés aux Caraïbes. Ils ont dit, nous allons passer des vacances, peu importe ce qui arrive. Et justement, pendant ce temps, le fils était parti loin, dans d'autres villes. Et au milieu de ces vacances, voilà que le fiston appelle à nouveau en disant, « Maman, papa, je ne sais pas trop où je suis. J'ai perdu mes documents. Je ne sais pas où, je suis dans la rue, j'ai besoin de votre aide, je ne suis pas bien. » Et là, la maman a dit, « Mon fils, on ne peut plus rien pour toi, débrouille-toi. Nous avons fait tout ce qu'on pouvait faire jusqu'à présent. Maintenant, tu es déjà un adulte, débrouille-toi, mais sache qu'il y a un Dieu qui t'aime. Si tu as besoin de lui, fais-lui appel parce qu'il viendra t'aider. » Bien sûr que l'enfant à ce moment-là, déjà un grand garçon, raccroche au nez. Et puis cette maman, elle va se mettre tout de suite à genoux et prier en disant, « Seigneur, je te remets officiellement mon fils entre tes mains. » Et ce soir-là, elle a bien dormi. Elle a dit que c'était l'une des meilleures nuits de sa vie. Elle était vraiment reposée. Par contre, son fiston était dans des beaux draps. Et les choses n'ont pas été faciles dans les semaines qui ont suivi, parce qu'il a dû se débrouiller tout seul. Et mes amis, à un moment donné, comme le fils prodigue, il s'est réveillé. Dieu lui a parlé. Il dit que dans la pièce où il était, il a entendu, comme si Dieu était présent dans sa vie, lui faisant un appel en disant, « Mon fils, sors de là, tu n'as pas besoin de tout ça. » Et effectivement, ce garçon, il va vivre une expérience réelle et profonde avec Dieu. Il revient à la maison complètement différent. Finalement, ses parents ont pu faire totale confiance à Dieu par la foi, et Dieu a agi. Donc, obéissance en Jésus, et non seulement à Jésus. Se laisser complètement entre ses mains et dire, « Seigneur, guide ma vie. » C'est tout le bien que je vous souhaite. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui
te sens triste et perdu en ce moment et qu'as peur de t'éloigner plus de Jésus et qu'as peur de renier son sacrifice. Plus de force pour quitter son monde illusoire, les lumières qui t'éblouissent, des bruits qui t'assourdissent, de rêves qui ne peuvent s'accomplir. Oui, toi. Chers amis, je crois que nous pouvons sincèrement remercier Dieu de nous avoir accordé ce pouvoir de décision, cette liberté de choisir. Le défi du jour sera d'orienter notre libre arbitre vers ce qui est digne de louange et de confiance et vers ce qui est pur et saint. Prions pour que le plus grand des miracles se réalise en nous, que ce Dieu si grand et puissant vienne habiter dans notre être si petit et fragile. Ainsi, nos pensées, nos actes et notre voix seront un terrain fertile pour l'accomplissement de tous les autres miracles de Dieu dans notre vie. Encore une fois, prions en notre faveur et en faveur des personnes de notre liste de prières. L'intercession est un canal pour de grands miracles dans la vie d'autrui. Et n'oubliez pas que nous avons une équipe de prière qui s'est organisée pour prier pour vos demandes d'intercession. N'hésitez pas à nous les soumettre avec le lien qui se trouve en bas de cette vidéo. Nous présentons volontiers toutes vos requêtes à Dieu pendant ces 10 jours de prière.
C'est dans cet esprit de prière et d'intercession que nous vous laissons aujourd'hui. Que le Seigneur vous guide dans ses pas vers le changement et le renouveau. Bonne soirée à chacun de la part de l'équipe d'Espoir Média en Suisse et à demain à 19h.